mode ouais, t'es sûr que tu veux conduire et tout, t'es sûr que... Il y a un gros bus, je vais d'abord le laisser passer. T'as même pas le permis mon frère. Comment tu veux que je te fasse confiance? J'aurais toujours des enculés. Mais moi j'ai dit quand j'aurai le permis, pouf, les clignotants je connais plus. Ah ouais, Tortue Ninja. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau vlog. On va faire un peu de shopping avec Astrid parce que ça fait longtemps, je suis en vacances. J'ai pas vlogué depuis que je suis en vacances, ça fait... Depuis jeudi. Enfin non, on est jeudi et ça fait... je sais plus parler, je sais plus vlogger, ça fait trop longtemps. Et bref, je suis en vacances depuis samedi dernier. Du coup voilà, j'ai fait une coiffure plaquée, on dirait une tête d'œuf, mais vas-y, c'est pas grave. Du coup, c'est moi qui vais conduire. Je vais vous faire mon petit outfit of the day tout à l'heure. Super, j'ai acheté un livre pour la filouse, d'accord. Programme de la journée, il faut que j'aille envoyer le colis de la gagnante de mon concours sur Instagram. Je vais envoyer ça, après on va aller au Val pour faire du shopping. Et voilà, voilà, normalement après je vais, faut que j'aille faire du sport. Et sur mes lèvres j'ai le... attendez. Je vais vous poser, ça va être plus simple. Sur mes lèvres j'ai le... NYX Liquid Suede. Celui-ci, il est trop bien, il est trop beau. Il colle un peu, mais ça va. Attendez, macro s'il vous plaît. Petit talon en aiguille. Cute. Sur mes yeux, mon liner, j'ai fait un liner en fard à paupières noir. Il était grave intense, c'était un fard à paupières de chez Kat Von D. Et sinon, orange, pailleté, enfin bref, comme d'hab. Et mon contouring, mon highlighter, j'ai des boutons, bah c'est Benefit. Et ils sont trop bien, c'est ceux que j'utilise en ce moment parce qu'ils sont trop bien. Donc voilà. Est-ce que vous voulez voir mon père, ce qu'il met dans ma chambre? Il me dit, tiens, il y a un sapin qui va pousser dans ta chambre. Il me donne ça, c'est du citron. Et ça, c'est... je sais pas ce que c'est, mais bref, il a cru que mon... ma chambre, c'était un jardin botanique. Mais cute. Des fois je rentre dans ma chambre, j'ai vu la dernière fois j'avais un sapin, la dernière fois je re-rentre dans ma chambre, je fais, je vois ça, je fais, non, ça va finir comment? Si je le laisse continuer à envahir ma chambre avec ses plantations. Maintenant c'est plus la pêche, son kiff c'est les plantations, du coup pour Noël je vais vous faire des graines. Je vais vous laisser et je vous retrouverai. Hi, you ready? Hi. Yes, I am ready. Tu veux que je conduise ta voiture? Voici mon petit OOTD, très simple mais efficace. J'ai ma fourrure bleue, elle est trop belle, j'aime trop, elle est trop douce. Un sweat, un gros pantalon et mes baskets avec mon petit sac. Voilà. Donc là, nous sommes dans la voiture avec Astra. Hello. Comme elle a dit dans ton vlog, ça va être la première fois qu'elle m'assiste. Donc ouais, solo, genre sans personne derrière. Elle a peur de mourir parce que la première fois qu'elle m'a vu conduire, c'était avec le moniteur. Et la deuxième fois c'était avec mon père. Ouais. Et puis elle était là en mode ouais, t'es sûr que tu veux conduire et tout, t'es sûr que tu veux aller jusque là-bas et tout. On va aller loin, mais là on reste en ville, on va sortir de la ville. Ouais, bah c'est la première fois que je vais sortir de la ville avec elle. Mais je suis déjà sortie avec mon père, mais bon voilà. Bref. Du coup là on va à la boîte postale, on a un colis, le colis de la gagnante à envoyer. Et puis après on va faire nos petits trucs quoi. Donc that's it. Tu relayes. Ouais. Bon, are you ready? Yes. T'as beaucoup de batterie. Aujourd'hui c'est emplette. Emplette est mort. Ouais, mais vas-y. Mais j'ai le seum, ma batterie elle est... Il me reste pas beaucoup. Je vais filmer peut-être tout à l'heure. On va reculer un peu d'abord parce que t'as vu bizarre. Il y a un gros bus, je vais d'abord le laisser passer. Recule déjà, commence à reculer. Ok. Elle voulait, en plus elle voulait ce qu'elle voulait, elle disait ouais mais viens on va conduire avec ta Merco et tout. Non. Je suis grave chaude de conduire avec la Merco. J'ai conduit avec la voiture de ma mère, mais la dernière fois mon père il a dit que je conduisais archi bien. Allez passe gros bus. Bah après j'ai confiance en toi tu vois, mais le problème c'est que ma voiture elle est assez puissante. Oui ouais. Et je sais pas si elle peut être assurée, enfin je sais pas si l'assurance elle couvre sur ma voiture. Ouais. Bah après j'ai 50 permis. Moi je crois que j'ai 50 permis. Ouais. J'ai mis tes petites oreilles. T'as eu 50 permis le 4 décembre. Ouais, le 4 décembre et c'est pour ça que je peux conduire avec elle. Oh my god. Oh my god. Bah, sortir un peu quand même, enfin, tu sais, genre tu t'imposes, genre tu fais comme moi, tu t'imposes. Ah ouais, non. Moi je suis pas une meuf qui m'impose, moi j'ai peur. Stop. Ouais. Je sais pas où c'est la boîte postale, donc tu vas me dire. On fait demi-tour là? Ouais, demi-tour. Ça marche. Ah ouais, Tortue Ninja. Si jamais on meurt, et eh bien il y aura l'épreuve dans ce téléphone. Boîte noire. Comme. Ouais, comme. Dans. Ah, j'ai. Ah, la voiture. Bye.
Non, j'ai pas pris le mouchoir. Take some tissue because my knee is cooling. Bah, j'en ai pas. Oh merde, mais doucement. Wesh, calme. Gauche, personne. Non, tout droit, Ah, oui. Personne. Oui. Le stop quand même. Merci. Je ne connais pas les stops. Hey, mais moi j'ai dit quand j'aurai le permis. Pouf, les clignotants, je connais plus. T'es malade. Il ne faut pas prendre le. Non, c'est pas vrai. Moi je mets toujours mes clignotants quand il y a des gens derrière. Mais quand le soir, genre il y a personne, bah je mets pas mes clignotants. Enfin, c'est pas bien, mais quand je sais qu'il y a personne autour de moi, genre à plus de 150 mètres, même aucune voiture, bah je mets pas le clignotant, ça sert à rien. Pourquoi gaspiller de l'énergie? J'avoue. Même s'il faut mettre tout le temps ses clignotants. À la banque pour retirer parce que t'as l'iPhone, ma carte. Ah oui, tu veux t'acheter l'iPhone là, je peux leur dire? Ouais, vas-y. Ça va être mon cadeau de Noël, je m'offre un cadeau de Noël, je vais m'acheter l'iPhone XR en jaune. Ouais. En fait, c'est trop chelou parce que genre même mes potes quand genre je suis en passager, et ben j'ai grave peur même si ils ont genre des années de permis, tu vois. Bon après c'est des mecs. Et moi là t'as peur? Bon, bah t'as même pas le permis mon frère. Comment tu veux que je te fasse confiance? Sinon je vais faire un testament tout de suite. Donc tous mes sacs de luxe je les donne à mes parents. Père n'a pas besoin. Ma mère et ma soeur. Tout droit. Okay. Toujours tout droit jusqu'à que je te dis, comme le moniteur. Ensuite mon ordinateur portable, je souhaite qu'il soit dans ma tombe. Je ne le lègue pas. Vous savez, non c'est pas bien de parler de mort, mais si jamais on doit me donner de la nourriture, mettez du McDo. Mais tu sais que moi plus tard mes cendres je voudrais qu'elles soient elles soient dispersées dans l'espace. Atterris toi. Ouais. On va faire en sorte. À l'ancienne quand je. Ah mais la première fois quand j'ai conduit cette voiture, mon père il m'a engueulé parce que en fait je connaissais pas. Enfin je savais pas tourner le volant parce que je savais pas que c'était trois la tours. Sensibilité, ouais. Ouais, moi j'ai cru que c'était le karting, genre tu tournes un petit peu, ça tourne, tu vois. Et oh du coup non. Bah en plus c'était un feu et tout, j'ai failli foncer sur des voitures. Oh, mon père il m'a engueulé, toi tu sais pas, après j'ai pleuré wesh. Et après elle a plus jamais couché avec papa. Mais heureusement que j'ai pas eu après la phobie de cette oui, ouais. De conduire et tout. Après t'inquiète pas que je conduis encore mieux que mes potes. Non mais moi le moniteur il m'a traumatisé sur les ronds-points. Il était allez sur le rond-point où il y a trois voies et tout. C'était trop, genre c'était, j'avais envie de pleurer genre. Ouais. En plus j'aime pas ça les ronds-points, je dois aller où là? À gauche. Ouais, moi non plus j'aimais pas les ronds-points parce qu'en fait une fois ma mère elle a eu un accident à cause d'un con là. Ouais, carrément. Et ça m'a fait phobie de la vie genre. Et en plus c'était au rond-point, je sais pas si vous connaissez le rond-point du Val d'Europe, il y a un grand rond-point. Mais c'est là, chaque fois quand je passe j'ai trop peur. Ouais, et quand il y a comment ça s'appelle? C'est où? Là-bas. Non, ouais, là-bas. Quand il y a les heures de pointe. Oh my god, bitch. Mais c'est pas les heures de pointe genre. Non, là c'est pas bientôt. On vous retrouve tout à l'heure quand on va on va filmer. Ouais, tout droit. On va filmer quand on va passer sur les grosses routes quoi. Les routes à 70. Tu veux me faire passer. Et répète ce que t'as dit. Est-ce que par l'autoroute veux... Est-ce que tu veux me faire passer par l'autoroute? Parce que il faut que je m'entraîne hein, pour aller sur l'autoroute. J'y suis allée qu'une fois. Oh my goodness. Comme tu veux, hein, sinon ouais on passe sur les routes à 80 genre l'autoroute je ferai avec papa parce que toi j'avoue que t'as laisse-moi réfléchir 10 minutes. Non mais c'est facile en fait hein, les trucs. Mais bah c'est oui, juste papa, j'ai pas les pédales et tout, ça me stresse. C'est plus facile, oui c'est grave les plus faciles. Rond-point tout droit. C'est vraiment les plus faciles les trucs mais. Là? Ouais, là à droite. Mais quand j'ai pas le contrôle de la voiture, c'est bizarre. Ouais normal, faut que t'aies les pédales. On va aller sur l'autoroute. First time. Tout à l'heure en sortant de la boîte postale, Amélie roulait en sens interdit. On a failli foncer dans une voiture. Je peux pas dire ça dans moi-même. Crier dessus. Bon, doucement, tu regardes toujours les rétros et tout. Est-ce que tu te sens prête, toi, d'aller sur l'autoroute, c'est ça? Bon, soit, tu sais. Ok. Au rond-point à gauche. Attention, il y a toujours des enculés. Je commence à aller à droite. Ouais. Hop. Ouais. C'est là? Non, là-bas. Ok. Merde, putain, j'ai une kilomètre. Tu commences à accélérer un petit peu. Progressivement, ouais. Voilà. Là, t'accélères. Ok. Là, il faut que je me concentre, faut que je regarde derrière. Ouais. Il est rétro. Et roule bien au milieu. Hein. Commence à accélérer plus vite. C'est continue ta voix. C'est 110. Quand tu vois qu'il y a personne, mais clignotant, faut que tu mettes ton voix. Vas-y, accélère plus vite. Reste sur ta voix, reste au milieu.
my god. Parfait. Je suis à 100 km/h, c'est la première fois que je suis à 100 km/h. Ah ouais, ouais. Oh my god. Ah, on va die. Chut, tranquille, il faut rester calme. Tu regardes toujours dans tes rétros de temps en temps pour voir s'il n'y a pas d'enculé qui... Bah ici c'est 130, mais toi tu roules à 110 parce que le truc... N'oublie pas les distances de sécurité, voilà ça va... C'est deux bandes. J'en ai aucune idée, mais quand la voiture elle est trop près, c'est pas bon signe. Oh shit. Shit. Je suis plus dans la clim, s'il te plaît. Ouais. Il y a des gens qui roulent bizarre, ouais, t'as tu vois. Ils mettent pas le clignotant et tout. Mais là t'es pas obligé de rouler à 100, si tu peux rouler un peu moins si tu veux. Enfin si t'as peur. Wesh, ouais, 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 je suis choquée. Oh, c'est un malade, wesh, il a fait le rallye là. Le temps. Tu regardes derrière les gens. Tout wesh. Et là-bas souvent il y a des. Il y a les flics avec les radars et tout. Bonjour, vous avez le permis? Je non. Ne sais pas. T'as je sais pas ce qu'il faut dire. Oui. De toute façon, c'est les gens qui... Papa, il a dit que c'était les gens qui devaient avoir peur de moi parce que c'est moi qui savais pas. Ouais, bah de ouf. Moi, je suis à l'intérieur, j'ai peur de toi. Bah ouais, mais moi j'ai peur des autres parce que, genre, je sais pas, ils conduisent en mode. Ils savent trop bien conduire, du coup, bah. Ah, vu bizarre. Ouais. Parce que là, une fois qu'on arrive au Val-d'Europe, il y a un croisement, genre, où il y a un feu rouge et, genre, je sais pas, c'est trop petit pour passer ou je sais pas quoi. La meuf, elle a fait klaxonner cette sale. Elle était en mode, ouais, passe, passe, frère. Faut que je mette un conduite accompagnée devant aussi. Ouais. Devant et derrière. En ouais, gros, en mode, je sais pas, genre. Écrit conduite accompagnée. Tu fais à droite là? Non, toujours tout droit. Voici le rond-point dont on avait peur. Je pense que tu peux y aller cache malgache. Voilà. Reste sur ta voie. Attention, ralentis parce qu'il y a trop des fils de pute ici. Ouais, voilà, tu mets le clignotant. Non, mais c'était là qu'il fallait rester. Mais. Ok, ok, ok. Ouais. Angle mort, nique ta mère. Ouais, il faut j'aime bien insulter, ça me défoule. Genre, ouais. Comme ça, j'arrive mieux à me concentrer. Je tu dis, tu insultes tout le monde et après. Ok. Alors, au rond-point là, tu vas à droite. Ok. Ah oui, c'est après, c'est tout au fond. Ouais. Pour se garer après. Malaise. T'inquiète, ma gueule, ça va aller. Vas-y, il y a trop de monde. Ah ouais, putain, on est quel jour là? On est vendredi. J'ai assez de place pour être vendredi. Oh my god, oh là, c'est trop long. Bon, bref. C'est plus les périodes de Noël là, c'est bon là. C'est bon là. Je vous filme quand elle se gare. Amélie s'est garée au bout de 10 minutes, on a trouvé une place, ouais. Mais enfin, heureusement qu'on a des yeux de lynx. Bref, sinon on va y aller. Ça va, je me suis bien garée. Verdict. Ouais, je pense. Ouh, bon, finalement, je sais pas si on vous a dit, mais on a pas envoyé le colis parce que y avait trop de monde et la fille, elle prenait toute sa vie. Oh, mon sac, il est tombé. Heureusement que c'est fermé. Yep. Parce que maintenant, faut que je prenne l'initiative de moi fermer la voiture parce que ouais, je n'ai pas l'habitude. Du coup. T'attends devant la voiture. Ouais, du coup. Donc là, nous sommes en direction de la Valais Village, Con Astra. On n'est pas morte. Il manque le retour. Le retour, je déteste conduire la nuit par contre. Bah je conduis si tu veux. Ouais, comme tu veux, on verra. Après faut que je m'habitue, mais genre j'aime pas conduire la nuit parce que je sais pas, je vois rien et tout, bah, je suis pas encore habituée. Bah c'est bien de s'habituer d'abord, ouais. En journée forte. Oui, ouais. Parce que quand tu conduis, enfin moi quand j'ai appris à conduire, c'est quand tu fais pas conduite accompagnée, tu fais que le jour parce que le soir c'est fermé. Oui, ouais. Enfin tu fais que vers 18h et tout, truc comme ça. Yeah. Là on est à la vallée et on snappait et tout avec Astrid et regardez qui on a croisé. On a croisé nos parents. Ouais, ils étaient juste devant. Ouais, ils étaient juste devant, j'ai fait mais je connais ça. Et du coup bah nous on vous espionne. C'est ouais. Ça. T'espionne par devant, c'est ça. Ouais. Bah je filme pas trop dans les magasins parce qu'on a pas trop le droit de base, on a pas du tout le droit de filmer à la vallée. Mais je sais pas pourquoi. Mais ils croient que je vais faire des contrefaçons de leur marque et tout. Là on va rentrer à Marc Jacobs, on va voir. Et le Balenciaga, en fait il y a un Balenciaga qui vient d'ouvrir. Sauf qu'il y a trop de monde, genre il y a là la queue devant et tout. Et comme c'est les ventes privées en ce moment, il y a beaucoup de monde, du coup un peu la galère mais quand même. Donc là mademoiselle hésite entre ces deux couleurs, le gris et le rouge. Non, moi, c'est Amélie qui aime bien. Moi, je préfère le rouge. Ah, en fait, ouais. Quand je suis venue le premier jour, il y en avait un beige tout petit. Ouais. Petit comme le noir que j'ai. Moi, je préfère le rouge. C'est une couleur atypique, tu vois. C'est vrai. Troisième. C'est ça. En fait, c'est bien, mais en petit, parce que le premier jour, je suis venue. Il était. Et j'ai hésité, mais j'aurais pas voulu. Ah ouais, donc les j'aille regarder. Elle a tranché. Je veux bien. Pour le gris. Bon, d'accord, t'as eu un coup de cœur? Oui, bah, je sais pas, il est trop beau en fait, c'est la couleur que j'aime trop. J'avoue. Donc là, après un long périple à Balenciaga parce qu'Astrid elle hésitait pour son sac. Astrid,
Viens nous dire, t'as pris quelle couleur finalement? Ouais. C'est son cadeau de Noël, elle s'offre un cadeau. Moi mon cadeau ça va être l'iPhone, mais je crois que je vais pas l'acheter aujourd'hui en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde et je compte pas l'ouvrir au jeu maintenant parce que j'ai pas reçu la coque encore et je veux pas le casser. Psychologiquement je suis pas prête. Là on rentre parce qu'il fait super froid. Je dois aller faire du sport. Pourquoi? Secret professionnel. Je vous dirai plus tard. Vous le saurez en temps et en heure. Et du coup là, elle est où la voiture? Elle est là-bas. Et du coup, ouais, là on rentre. Puis on voulait pas passer à Bershka, Zara, ça, parce que flemme. Et il fait vraiment froid, oh my god. Du coup j'irai chercher mon téléphone la semaine prochaine. Je pense que je vous bloguerai, j'irai sûrement avec Astrid. Donc moi aussi j'ai froid. Voilà voilà. Look. Amande, hi. Il est trop beau, je vais me l'acheter le même en noir. Ah ouais? Ouais, on l'a formé. En plus il y est en noir, il est grave beau. Il y a les Mac qui sont. C'est vrai? Il y est? Ouais, il y est en noir. Il y a... T'as rouge, noir, t'as jaune, t'as bordeaux, t'as bleu, marine, t'as toutes les couleurs. Il y a blanc? Non, pas blanc, je crois. Bah moi au début je pensais que c'était celui-là le blanc, mais en fait c'est du gris. Ah tu voyais blanc là-bas? Ouais. C'était gris nuage. Gris nuage. Je veux trouver un sac grand en plus. En sac de ouais. En sac de cours. Donc là je me prête. Il est 20h. 20h je crois. Je vais faire du sport. J'ai mis un milliard de couches. Hein. Des collants, des joggings et tout. Enfin, un collant et un jogging. Mais voilà, je sais pas ce qu'on va faire ce soir après. Du coup, bah je termine pas ce vlog. Et puis on verra ce soir. Donc voilà, je vous ramène pas avec moi parce que je vais juste prendre mon téléphone, mes écouteurs.